Bah t'arrêtes pas, t'as vu? Arrête pas. Il faut que tu prépares, il faut que tu anticipes. Tu prépares mes délires d'avance. Vous avez les petites tireuses avec des 5 litres. Ouais, laisse tomber cette. Les changettes, les 2 minutes. C'est là où. Je vais avoir des vacances bientôt là. Ils ont quand même bien géré le coup. Bah, j'ai au moins 15 jours là. Complet de vacances. De match, que je dois poser quand je veux. Ça fera 3 semaines. On est en... le fait de à Noël, ça fera 3 semaines complètes. C'est les enfants vont aller. Il y a mon tonton qui veut les amener au camp. Je peux voir que le mec en face. Pardon ? Mon tonton va amener les enfants au Cameroun. Oh, tranquille, nous on part. C'est chaud. Ah mais c'est l'église. On pourrait bien avoir des cocktails au bord d'une plage. Ouais, non. On va au Sénégal. J'adorerais. Normalement j'y vais avec mon père, je t'ai dit. Toujours parler avec lui. Normalement on doit y aller bientôt avec mon père, donc je peux y aller avec toi avant d'aller avec mon père. Non mais on pourrait aller, je sais pas, à Bali, en Asie, moi je connais pas l'Asie. Est-ce que tu vas aller chercher loin là-bas? Tu sais que je supporte pas le vol. Deux, trois vues, tu dis ouais. Ah t'aimes pas l'avion? Non. Bah alors en Bretagne déjà. C'est pas mal. Après il faut imprimer la relation. Mais mon temps s'est arrangé, vous croyez quoi? Mon temps s'est arrangé. Laisser le Ndjan sans c'est le courage, mais quand tu laisses. Je me suis fait la teinture grise, blanc-gris. Le lendemain matin, j'avais toute la graisse par terre, figée. Les enfants sont allés chez leur mamie, je suis. Tu profites avec amour. Tchuss, c'est fini. On passe comme ça. Il y en a qui vont se coucher, hein, parce qu'il y en a qui ont travaillé. Mon Camiolan, merci. Merci beaucoup, mes chéris. Vous les voyez à moi et vous faites le plaisir de voir à moi. Merci. Merci, Youssouf Reda. Avec leur petit limoncello, là. Leur double limoncello. Ils m'ont fait la fermeture, on va les aider. Ouais. Ah, d'accord. Et en plus, je vais faire l'ouverture le matin. Ça fait du bien, quand même, de ne pas avoir les enfants. Ça fait vraiment du bien. Je prends un café allongé. Ah, ouais, c'est vrai. Tous les matins, un shot de jet. Un shot de roi. Non, je dors. Facebook dit quoi, maman? Allez, on dit à même bonsoir. J'ai un direct. C'est comme le fait des darons. Quand tu vas à l'école le matin et tout, c'est ouf. Eh oui, bonsoir. Tu manges seul. Vous avez vu comme elle est belle ma femme? Mais bon, Dorian, tchabas. Ah non, mange pas seul. Hein. Ah si, en fait, si. Je sais que vous avez une fille, mais je réalise pas que vous ne pouvez pas rentrer. Inès. Ça va partir avec du temps. Bonsoir, Yaya, profite bien. Et ta soirée, merci. Merci, Michiban. Merci. En même temps, on est à côté, on n'est pas loin de la maison. Question de... Super belle, top belle. Je suis d'accord avec vous. C'est ma femme. C'est la raison pour laquelle elle est avec moi. C'est parce que c'est la plus belle. Maman fait quoi? Je vais fumer une cigarette. Ah ouais. Okay. Tu restes dans ton live? Tu manges des cuisses de grenouille ou ma belle? Maman, il ne mange pas. On mange une pizza 4 fromages. Ah, les femmes sont bonnes. Ah, bon, ça va. Bonsoir, ma petite soeur. Régine, félicité. Bonsoir, maman. Bonsoir, ma soeur chérie d'amour. Personne ne parle de son beau? Oh, t'es comme ça. Pas Congo, ça là. Ils te connaissent pas. Tu es très belle et classe, merci. Tu l'as épousée, merci Mboma Danger. Et moi, je suis pas beau? Bon, elle est beaucoup plus belle que moi. Mboma Danger dit que tu l'as épousée où? Elle est bien plus belle, bah, elle est incroyable. Hein. Mais je pense que un homme peut être mesuré à la beauté de sa femme. Donc si ma femme est plus belle que moi, c'est-à-dire que j'ai bien réussi dans la vie.
Merci. C'était en avant, Charlie. C'était répété déjà, ça. Bon, Mathieu a raison. Oui, Dorian, tu sais, moi j'ai tout arrêté. Moi j'ai tout arrêté. Notre beau est vraiment un bel homme. Ah ben oui, hein. Bon, Mathieu serait invité. Ce n'est pas un problème. Le beau des beaux, il est. I am the prêtre. On se donne rendez-vous à la fin. Très bien, merci ma soeur, merci. Merci, merci beaucoup. Tu as gagné le cœur du Valou Yamou. Bah oui, Yamou il le sait. Hein. Yamou il le sait, profite bien ma soeur. Merci beaucoup en tout cas. Mon beau réclame, tu es très beau, mignon, romantique. Merci Dorian Tchamba. Écoutez, hein. Ça fait, franchement, ça fait un bien fou. Ouais, qui parle comme ça est un wawa. De plus, moi, ils sont similes. Après, ça dépend de la profession. Hein. Comme je vous ai souvent dit, Yamou, c'est un avocat. Il est impossible de voir un avocat timide. Hein. Yamou, c'est... Il ne faut pas attendre qu'il soit... En plus, c'est pas un blanc, hein. Yamou, il a 25% de sang sénégalais. Donc, tu vois un mec qui a l'assurance avec le torse bombé, c'est pas un what at. Maman, le nez est en place. Le goût de ça, c'est un menteur, ma soeur. Méfie-toi jamais. Rivière Benjamin, c'est juste parce qu'il y a trop de personnes malsaines. Je te donne son nom, tu vas taper sur Google. Tu vas voir son LinkedIn. Le Yamou est identifiable. Ce n'est pas les hommes qui... Ce n'est pas les gens qui donnent leur nom. Tu cherches, tu ne retrouves pas là. Yamou, tu retrouves tout... Tu retrouves... Toutes les informations de Yamou jusqu'à l'école, parce que Yamou a été finaliste de l'école, du concours des avocats. Donc son nom apparaît partout. Son nom apparaît déjà, son nom apparaît partout jusqu'à l'école, parce qu'il a eu son concours d'avocat avec mention. Donc c'est pas quelqu'un qu'on ne peut pas identifier. Ouais. C'est pas un waga 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 là. Si c'était un joala, je n'allais pas les soulever comme je les soulève là. Si je les soulève comme je les soulève là, c'est parce que j'ai vu que j'ai bougé. J'ai vu qu'il y a quelque chose. Même seulement la bonne culture que Yamou apprend à mes enfants, moi, ça me suffit. Parce que ce n'est pas toujours l'argent. Même les valeurs. Même des valeurs, rien que les valeurs. La culture, l'allocution qu'il apprend à mes enfants, ça me suffit. Ça me suffit, je ne veux pas beaucoup. Moi-même, je sais chercher l'argent. Donc, Yamou, c'est pas ce qu'il gagne qui m'intéresse. Ce sont les enfants. Eh, Sylvie, les enfants sont avec leur grand-mère. Et moi, je ne suis pas loin de la maison. Oui, oui, il a 25% de sang sénégalais. Moi, je ne suis pas loin de la maison. Je suis à côté aux trois obus. Bah oui, je suis très amoureuse, je suis en admiration. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour Yamou parce que j'aime les hommes intelligents.
au moins j'ai eu un homme qui me fait rêver. Yamou me fait rêver. Yamou, c'est tout. Il a tout de ce que j'aime. Intelligent, beau, romantique, poli, respectueux. Qu'est-ce que je peux rêver de plus? Ah bon? Elle t'a dit ça alors que nous aurons la fête et demande à la chance. Oui, vas-y, voir. Vas-y, va faire un petit date avec. Mes cheveux sont teints en gris. Ce que j'aime bien chez toi, c'est que tu ne vends pas le rêve. Bravo. Maman, tu reçois mes étoiles, oui ou non? Florian Merveille, maman, j'ai pas reçu les étoiles, maman. Ma mère, tu te justifies même pourquoi. On aurait tout dit, tu es très bien, maman. Merci, maman, quand je le vois, il est très sympa, très ouvert, très gentil, très respectueux. Maman, une vieille chouette comme moi avec mes enfants. Moi, je veux juste un homme qui va bien éduquer mes enfants, c'est tout. J'ai plus l'âge à chercher l'argent. Je cherche un homme qui va donner des bonnes valeurs à mes enfants. Celle-ci, c'est les seules que vous avez. Et s'entend bien. Yamou s'entend bien avec les enfants. C'est le plus important pour moi, en tout cas. Allez. Les enfants l'aiment bien. C'est le plus important pour moi. C'est ce qui compte. Ah, merci, Michiban, pour les 100 étoiles. En tout cas, je suis très heureuse d'avoir Yamou dans ma vie. Je suis très heureuse d'avoir Yamou dans ma vie. Il s'entend très bien avec les enfants. C'est une belle personne. C'est une très belle personne, Yamou. Hein. Il ne se prend pas la tête. Malgré son niveau d'études, malgré sa profession, c'est quelqu'un de très humble. Et moi, ça me va. Voilà. Ça discute là entre femmes. Je crois pas qu'on ressent. La plus belle, elle est avec moi. Hein? Tu discutais quand même le monsieur là, Yamou. Ils vivent dans le coin, on parlait du bar qui est en face, qui est sympa. En face où? À côté, là, le Trinquet, c'est... Tu vois le pont Gargano? Ah ouais, c'est pas en face. Avant. Hein. Le pont Gargano, c'est à... Mais si, parce qu'en fait, on peut couper. On peut l'avoir directement. Il faut traverser sur la Seine? Non, c'est avant. C'est de notre côté. Là, on va tout droit, sur les quais. Il y a un super, super bar. Et là, c'est la soirée de réouverture ce soir. Oh, Yamou. On va pas y aller, t'inquiète. Ils me disent qu'un bel homme, c'est pas pour une seule femme. Moi, en tout cas, pour le moment, je l'ai tous les jours. Hein. Moi, ça me va. Hein. Ah oui, et puis quand on a une femme comme Marianne, comme la maman des beaux gosses, pourquoi on irait voir ailleurs? Moi, en tout cas, pour le moment, je l'ai tous les jours. Ça, c'est le plus important. Tous les jours. Quel homme tous les jours? Moi, je travaille. Ben oui, Yamou, quand t'es libre, t'es avec moi. Moi, ça me suffit. Hein. Le reste... Ben moi aussi, ça me suffit. Et encore, j'aimerais être encore plus avec elle. Long Kassaba, oui, c'est normal. Yamou est sénégalais. Hein. Il a 27. Long comme ça. 1m90, sénégalais, oui. Yamou, c'est un sénégalais. Yamou revendique ses 25% de son sénégalais. Il est fier d'être africain, Yamou. Évidemment. Mais pas pour vous. Moi, je m'en fous de votre avis. Mais moi, le Sénégal, c'est mon pays. Oui. La France aussi, d'ailleurs. Les deux. Vous voyez comme elle est belle? Vous avez dit qu'elle était belle, au moins?
quel point elle est incroyable. Moi j'aime pas, hein. Le maquillage c'est pas mon truc, mais là elle est sublimissime. Moi je suis fier d'avoir une femme de son niveau à mon bras. Hein? Vous, je vous laisse la regarder, moi elle est avec moi. Bon, tu vas couper ça un peu parce que moi je vais t'avoir pour moi, hein, chérie. Écoute, que jusqu'à dire que la maman des beaux gosses, Benjamin, Yamou sait que je m'appelle, on m'appelle la maman des beaux gosses. Mais vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi je sais qu'elle s'appelle la maman des beaux gosses? C'est parce que ses fils, ils sont magnifiques. Maël et Jenny. Mon Yamoumou. Qu'est-ce qu'ils disent? Mange chérie, la pizza. Arrête le Yamou, tu manges le bon coup. Arrête le direct. Parce que bah oui. Arrêtons le direct. Moi, je veux avoir ma femme pour moi seule. J'en ai marre du direct là. Mais Yamou, t'aimais bien le direct. Hein. Ça me fait rire rapidement, mais très rapidement aussi. J'ai envie d'avoir. Quand ma femme est belle comme ça, je veux l'avoir que pour moi. J'ai pas envie de la partager avec vous. Quoi, Harry? On sait comment tous comment finissent les cours. C'est quel genre ça? Je n'expose pas. Même pas d'intimité. C'est quel genre ça encore? Intimité de quoi? Parce que intimité là, de quoi? T'es pas contente de voir les lives de, hein, là, de ta reine? Parce que là on est en train de faire l'amour. Intimité de quoi? L'amour, on sent que ton cœur, côté Black, le Congo, ça. Ma chérie. Vous êtes allé voir là, Black Panther? Nous on va au cinéma demain. On va aller voir Black Panther au cinéma demain. Bah oui. J'ai pris les places déjà. C'est vrai? Oui. Black Panther. On a laissé les enfants chez la sœur là. Mais vraiment, hein, on y va demain. Je te rappelle quand on a amené les enfants au cinéma, putain. En même temps, je suis allé voir Novembre. Non mais Gianni, Maël pouvait tenir, c'est Maël qui était, c'est Gianni qui était impatient. Non mais le film était pas bien. Hé hey, Gisèle, la solidarité, la sollicité maman, si je répète ce que tu as écrit là, Yaoundé Goye, this one. Qu'est-ce que tu as dit? Ah, il y a quelqu'un qui a vu apparemment, et il dit je suis allé, c'est un chef d'œuvre. Le Black Panther. Black Panther. Ah ouais? Beaucoup de gens ont commenté. Il est mieux que le premier? Beaucoup de gens ont commenté. Je me demande s'il est mieux que le premier. Il est mieux que le premier, Yamou demande. Le premier est déjà très bien. Tu avais vu le premier? Ouais, j'ai adoré. C'est un film Marvel, c'est un film de super-héros. C'est comme Hulk, Spider-Man, tout ça. Sauf que là, c'est sur les noirs, sur l'Afrique. Black Panther. Incroyable. J'avoue, aujourd'hui, c'est... Génial. Le son, en plus, je l'ai vu au cinéma. Le son, la musique, les images, c'est magnifique. Puis c'est l'acteur principal, il est très beau. T'auras pas intérêt de me dire. Je suis un bonhomme, il est très très beau. J'aurais pas intérêt à te le dire qu'il est beau. Oui, mais je te dirais que l'actrice aussi est très belle. Hein. Plus que tu le sais. C'est pour ça qu'elles l'ont vu, hein, tes copines là. Arrête, je dirais du coup comment. Wakanda. C'est ta femme comment. Bah écoute, c'est ma femme quoi, qu'est-ce qu'il dit? Yamou, il aime le direct. Hein. Yamou, il aime ça. De non, j'aime temps. Pas ça. Moi, je suis avocat. Ah, ça va, tu veux pas? Tu veux pas, Yamou? Tu me. Ça te dérange? Non. Voilà. Comment ça se passe? Très bien. Très, très bien. Tu manges plus? Oh non, pur. Elle dit un bel hommage à Chadwick Boseman. Je n'en dis pas plus. Je vais. Yamou, du coup, on le voit demain. Et mon amour. Demain, ouais. Il est à quelle heure?
Ouais, on va pas se réveiller 10 heures, tu vas pas le faire le coup de l'autre la dernière fois. Hein. La dernière fois, c'était parce qu'on s'est réveillé, les petits étaient réveillés. Mais on est parti à 10 heures, c'était tôt. Hein. Ils sont pas là, Yamou, tu me laisses dormir tranquillement. Un week-end de 3 jours, on a le temps. On peut même y aller après-demain si tu veux. Moi, je voulais aller au théâtre avec toi. Tu m'as dit que tu n'as pas trouvé un truc intéressant. Un one man show. Bah, moi, il y a Thomas Njijol. Demande-leur ce qu'ils pensent de Thomas Njijol. On peut avoir des places pour Thomas Njijol. Vous pensez quoi de l'humoriste Thomas Njijol? J'aimerais inviter Marianne, qu'on aille le voir tous les deux. Moi, j'aime beaucoup. Marianne, elle oublie le côté camerounais de Thomas Njijol. Elle pense qu'il est blanc. Tu m'as dit qu'il fait de l'humour de blanc. Non, mais son humour... chez nous, quand on dit les humoristes, tu... Et vous connaissez Thomas Njijol, le camerounais? Ça, c'est un Camerounais même. Camerounais. Il parle du Cameroun. C'est pas parce qu'il parle du Cameroun qu'il est forcément camerounais. Il est né en France. Hein. C'est deux parents alors, du Cameroun. Alors, s'il est né en France... Demande leur avis. S'il est né en France... Qu'est-ce qu'ils pensent? Ce n'est pas un Camerounais s'il est né en France, Yamou. Demande leur avis. Non, s'il est né en France, c'est pas un Camerounais, chérie. Thomas Njijol. C'est quoi cette lumière bizarre là? Thomas Njijol, on est d'accord que c'est un Camerounais? S'il est né ici, c'est que c'est pas un Camerounais. Est-ce que quelqu'un d'entre vous là sur le live, vous connaissez Thomas Njijol? Dites à ma femme que c'est un Camerounais. Un Camerounais qui est né ici, ce n'est pas un Camerounais. C'est nous aussi les vrais Camerounais. On le connaît très bien, oui, il est Camerounais. Ah d'accord, voilà. C'est un Camer, il est trop top. Ah oui, Thomas est fort et Camerounais. Ah, mais, allons le voir, du coup on le voit à moi. Il peut avoir demain ou après-demain les passes. Demain? Oui, oui, ah ben on le connaît beaucoup. Il fait son spectacle à Paris, là. Oui, c'est un Camerounais, il est... Ah oui, tout le monde le connaît. Ah hein. Oui, je sais. Il est très connu. Il a fait des films et tout, il est très connu. Tu sais, on voyait des petites vidéos là. Où il était déguisé, machin, avec la chinoise. T'as vu? On va le voir du coup. Bah demain. Où? Il se produit où? Je crois que c'est à Cigale. Ah oui, tout le monde le connaît, sauf moi. Vous êtes allé voir son dernier spectacle? Si, c'est un bazard. Là, on me donne même son ennemi. Demande s'ils sont allés voir le dernier, s'ils ont vu le dernier spectacle. Vous avez vu son dernier spectacle? On va peut-être y aller demain, si c'est bien. Après, lui, il y a beaucoup de monde. Hein. C'est pas un petit truc où ça rigole, machin, c'est beaucoup, beaucoup de monde. Ah ouais. Yamou. Tu sais, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose là et qui est vrai. Je t'ai parlé d'une série que j'ai vue pendant le confinement. Okay. Sur Netflix. La Casa de Papel. Netflix. Ah ouais, j'aime pas Casa de Papel. Ouais. C'est espagnol. Mais bizarre, tu sais que tu ressembles au professeur là. Professeur, il est blanc, parce que j'ai des lunettes. Professeur, il est quand même très blanc. Hein. Mais je le prends bien. Je le prends bien parce qu'il est... Il est trop intelligent. Oui, bah comme moi. Il est trop intelligent, le professeur. Je l'ai adoré. Tu sais, j'ai regardé... J'ai pas aimé, ouais. T'as pas aimé? J'ai regardé les deux premières saisons. J'aime bien Tokyo. Elle est marrante. J'aime bien le gros là. Comment il s'appelle? Le grand gros là. Le gay là. Helsinki ou. Mais c'est pas des séries. C'est des séries de blancs ça. Pendant le confinement, j'ai pas arrêté. Hein. Elle était captivante et je l'ai regardée. Il est bon le Mont Basiliac. Moi il me va très bien. Trop sucré. Hein. Bah, c'est un Mont Basiliac. Mais c'est un Mont Basiliac de qualité. Au moins on sait ce qu'on voit. Un fois on a pris le champagne, c'était du Nicolas Feuillade, c'était horrible. Je vais me fumer un cigare. Tu vas fumer un cigare aux fontaines? Fontaine? Mais si, il n'y a pas de terrasse, il fait froid dehors. Fontaine, c'est terrasse chauffée, non? Tu veux pas? Tu sais, c'était pas prévu cette soirée. Hein. C'est moi qui bon, toi, on est là, monté, je te bloque. Pourquoi?
Qu'est-ce parce qu'elle est désagréable. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle raconte tout et n'importe quoi. Insulté? Non, il y a moi, elle peut pas t'insulter, je fais bloquer son compte. Mais laissez-nous un peu. Top quoi? Merci, top sucré? Trop sucré, oui, le monde Baselia que j'aime pas. Bon, je t'as vu quand elles entendent tout quoi? Puis trop sucré. Ah Jojo, maman appelle-moi demain. Demain après 11h, parce que j'ai pas les enfants, Yamou est là. Donc on va se réveiller demain à 10h30. Maman appelle-moi demain à 11h. Mamie, il fume c'est férié demain. Cigare au patin. Parce qu'il faut un diplôme pour fumer le cigare. Ah, ça va être trop. Oh, je suis fatigué. Je suis une blague en plus. Absolument. Tu m'amènes, moi, déjà. Le mec, il a travaillé pendant 4 mois à Eurosport et après ça, il a créé Crazy Voyage et Crazy Villa. Merci, Evelyne Mapcheux. Merci beaucoup, maman. J'ai la même montre que Thomas et Gijal. Dans les les gars, TQA, c'est justement, je lis les commentaires. Demande-lui d'imaginer si on dirait. Si on disait. Si on disait français au lieu de français. Quoi? J'ai rien compris moi non plus. Et soyez plus clair, hein. Ayez un vocabulaire. D'accord, chérie. Demande d'imaginer si on disait F français au lieu de. Oui, 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 je sais pourquoi la personne écrit ça. Pourquoi F-français? Oui, parce que en fait, ici, n'est-ce pas? Par exemple, quand. N'est-ce pas, chez nous, ouais, chez nous, on dit Ngassam. Ah mais oui? Ici, en France, on dit Ngassam. Non, c'est comme Ndiaye. Mais c'est comme Ndiaye. On dit pas Ndiaye, on dit Ndiaye. Mais oui, ici en Ndiaye. France, ils disent Ndiaye. Oui, comme Mbami. Chez nous, c'est Mbami. On dit Mbami. Oui, chez nous c'est Bami. Le Ndolé, on dit pas Ndolé, on dit Ndolé. Non, on dit pas le N, on dit Ndolé, c'est pas Ndolé. Ndiaye, moi, mon nom de famille africain, mon grand-père, s'appelle Matar Ndiaye. Mm-hmm. Pas Ndiaye, effectivement. Mais pourquoi, France, c'est quoi le, pourquoi le débat? Aussi, mais en France, ils diront Ndiaye. Oui, parce qu'ils savent pas dire Ndiaye. En fait, ils veulent prononcer toutes les lettres. Le fait d'avoir deux consonnes en France, c'est bizarre. Donc t'as le N avec un apostrophe et du coup tu dis Ndiaye, tu sais pas. Mais quand tu es sénégalais tu dis Ndiaye. Ah ah, ah ah, Pascal Ndjungan est dit c'est Ndijol, non Ndijol. C'est Ndijol. Ah, oh excusez-nous, c'est bon, c'est un humoriste. Vous êtes relou alors qu'on va aller voir un humoriste. Et je vous signale que Ndijol, il parle beaucoup plus de la France. Yamou, dis Ndijol, pas Ndijol. Là, tu dis Ndiaye. Mais je Ndiaye. Vous emmerde tous. Là. Dans le live, ça y est, bravo. Bon, règle. Pas un dessert. Vous avez du cognac? Bon, je vais vous laisser là. Ouais, il a rangé tout. Je sais pas avec qui je suis en live, mais ok, on est là quoi. Voilà. On est et bon, on va tous. On est là. Just the beginning for the night. Ok. Moi je suis avec une influenceuse. Ah ok. Ouais. Bon. Allez, c'est bon pour ce soir. Oui, bonne soirée, bon week-end à vous. Plein de bisous. Et on va aller faire une pétanque au.